dans la maison, eux aussi? Ils seront en bas, au sous-sol. Tu ne les verras jamais. Mais tu les verras? Moi, oui. Quand je travaillerai. Est-ce qu'ils sont effrayants? Non, chérie. Du tout. Six heures de caisse et j'ai rien vu passer. C'est que ça parle. Tu as dû battre ton record là. De combien? 6 heures environ? Écoute, je pouvais pas refuser ça. C'est une occasion unique. C'est pour ça que j'ai repris mes études. C'est une nouvelle carrière pour moi et un nouveau départ pour nous. Vous êtes là! Enfin, oui. Elia, je suis contente de vous voir. Contente de vous. Très. On est un peu en retard, excusez-nous, on a été ralenti sur l'autoroute. Oh, mais faut pas vous excuser. Vous êtes là! Oui. Oh, mon grand garçon, Jonathan. Oui! Elliot Cook. Et ma fille, Jamie. Bonjour, Jamie. Oh, venez, venez, prenez garde, la fosse septique a débordé. Oh, on a eu plus de pluie en quelques mois de ces 50 dernières années. La maison risque d'être un petit poil humide, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas bien grave. Ah, vous êtes en location-vente, n'est-ce pas? Donc, par contre, à l'entretien de la maison vous incombe. Et moi, si j'étais vous, je ferais vidanger cette fosse le plus vite possible. Doit bien y avoir un demi-siècle que personne n'a vidé ce truc-là. Et elle récupère aussi les eaux usées des pompes funèbres. Ah oui, toi aussi. Oh, je veux même pas imaginer ce qu'il peut y avoir là-dedans. Bon. Mais j'y pense, j'ai un ami qui peut vous le faire. Il n'est pas donné, mais il travaille bien. Tenez, je vous passe sa carte. Appelez-le. C'est chouette, hein? Vous faites bien ici. Je vais mettre du gazon. Et on pourra jouer au croquet. Faire l'escalier ne serait pas du luxe. On y est. Ah, les déménageurs sont venus hier. Ah, toutes vos affaires sont arrivées. En tout cas, Leslie, bravo pour l'étiquetage. Il y a aussi papa qui est là. Oh non, chérie, viens. Viens avec moi. Viens. La plomberie a été révisée et l'installation électrique aussi. Par ici, nous avons la cuisine. Venez voir ces coquets. Viens, ma puce. On continue. Par ici, viens. Entrez, entrez, les enfants. Oh, mon Dieu. Oh. C'est dégueulasse ici. Maman. Oh, c'est rien. Un peu d'huile de coude et c'est réglé. Oh, c'est pas si terrible que ça en a l'air. Un coup de pinceau par ici, d'éponge par là et ce sera comme neuf. Oh, c'est pas vrai. Tu veux qu'on bouffe ici sans déconner? Vous aviez dit que vous feriez tout nettoyer. Que vous aviez une équipe pour faire ça, des prisonniers de la commune. Oui, je devais avoir des prisonniers. Mon mari torquait qu'on pouvait pas les exposer à nos produits chimiques. Oh, vous vous rendez ça. Compte oh. De prisonniers exposés à des produits chimiques, c'est grotesque. Mais vous savez, je sais pas si sale que ça en a l'air. Non, on va bien trouver quelqu'un pour vous aider à donner un petit coup de propre à tout cela. Hein. Quelqu'un qu'on peut exposer à nos produits. Thank you.
rien? Tu n'as rien? Oh, doux Jésus. Qu'est-ce que tu faisais ici? C'est ce vieux cercueil qui t'a fait peur en te sautant dessus. Oh, tu vois, la curiosité est un vilain défaut. Moi, maintenant, on est sûr que tu t'en souviendras. Oui. Tu ne dois plus venir ici, chérie, d'accord? Voilà, c'est fini. Oh, elle n'a rien, non, non. Tiens, prends un chewing-gum, hein? Prends-en un, vas-y, serre-toi. Vous savez, le comté a ouvert une autre maison de retraite depuis la dernière fois que vous êtes venu. Ça va rapporter? Oui. Oh, que oui! Oh, oh, sans parler de notre autoroute qui passe pour être la plus dangereuse de l'État. Croyez-moi, vous allez crouler sous le travail. Et puis, je pourrais pas faire plus que les accueillir. C'est tout ce qu'ils vous demandent. Ah, le pied. Les choses se font. Désolée. Pourquoi vous restez tous les deux dans le noir? Je peux avoir cette chambre? Si tu veux. Pourquoi ça ressemble à une prison? Tu dis ça à cause des barreaux? J'avoue que j'en sais rien. Tu crois vraiment que tu vas y arriver? Hein? Je veux dire, sérieusement... Oh, je t'en prie, est-ce qu'il m'est arrivé de te laisser tomber une seule fois? Bah disons que la fois où tu m'as retiré de mon bahut en plein milieu de l'année scolaire pour m'emmener à l'autre bout du pays, comme si t'avais une mission à remplir. Attends, tu verras quand nous serons installés et que je me serai organisée. T'as déjà pensé à un nom pour ici? Genre, mourrez pas cher, un truc qui sonne bien, quoi. Tu vas arrêter, ou je te raille de mon testament. Mini mort, mini prix. Ah ah ah. C'est accrocheur, ça. Très drôle. Salut. Il y a du travail qui nous attend. Hein? T'aurais les clés, s'il te plaît. Où est-ce que tu veux aller? Pourquoi tu l'emmènes ici avec toi? Elle est descendue. Elle voulait m'aider. Oui. Et puis d'abord, maman a dit que je pouvais venir ici avec elle tant qu'il n'y a pas de mort. Ah, ben voyons. Oui. Sacré stock de sel. C'est du sel gemme. Ça sert pour faire les glaces. Il devait y avoir un amateur dans la maison. Nous aussi, on va en faire? Mm-hmm. À quoi tu la voudrais? J'en voudrais une au chocolat.
Je vais aller me chercher un hamburger, un truc à manger. Tu peux me passer les clés, s'il te plaît? Ah, oh, oui. Bien sûr. Merci. Merci. Vous voulez que je vous prenne quelque chose ou... Oui, tiens, tant que tu y es, achète un pack d'eau et du lait. Non, oh, Jonathan, je voudrais te remercier pour ton soutien. Les cuisines sont fermées. Qu'est-ce que tu voulais? Quelque chose qui se mange. Quoi, j'en sais rien, ce que vous avez. Alors, écoute voir. Il doit me rester encore 3 sandwichs au blanc de dinde qu'on n'a pas vendu ce midi. Ça ferait l'affaire? C'est parfait. Bah voilà. Bah je te sers ça. Ok. Ah, excusez-moi, je peux poser ma candidature? Oh lui. Tu sais quoi? Là, je te regarde, t'as une tête qui me revient. Alors d'accord, quoi, passe me voir demain. Je te fais faire un essai et si ça colle entre nous, je t'embauche. Oh. Bon, d'accord, c'est gentil, merci. Salut. Je m'appelle Jonathan Doyle. Je viens d'arriver en ville. Et alors? Excellent. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, il y a tout. Ah, merci. Attendez. Non, 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 cadeau de la maison. Vous êtes sûr? Eh oui, je te dis à demain. Vraiment sûr? Oui, file. Oh. Bonsoir. Ok, bon. À demain. Merci. Bye. Bye.
une connerie. Embaumement, cuisine, cuisine, embaumement, cuisine, forcément cuisine. Ok. Maman! Pardon, je suis désolée, je suis désolée. Quoi? Maman, il y a quelqu'un qui se baladait dans le jardin. Dans le cimetière, je veux dire. Oh. Cette nuit. Oui, toi, tu traînais dehors à 2h du mat. T'es sûre que c'est bien du tabac que tu fumes? On t'a vu faire. Ok. Primo, déjà, je fume plus, ok? J'ai arrêté. Et deux? Sûrement. Bon, s'il te plaît. Quoi? Tu sais très bien, donne-les-moi. Donne-les-moi. Allez, dépêche-toi. J'ai pas de cigarette, mais j'ai du feu. N'empêche qu'hier soir, il y a bien quelqu'un dans le cimetière qui m'a couru après. Regarde. J'ai trouvé ce truc-là. Est-ce que je peux la voir? Si tu veux, mon ange, tu peux le mettre avec les déguisements. Tu sais, on est dans un quartier pas très sûr, c'est quand même un cimetière, alors prends une batte de baseball la prochaine fois. Où est-ce que tu vas? J'ai un job. Tu ne devais pas devenir mon assistant? Il n'y a que dans tes rêves que ça risque d'arriver, ça. Est-ce que je peux, moi? Oh. Alors là, tu desserres dans ce sens-là, c'est ok? Ouais. Ensuite, tu le vides dans la poubelle, d'accord? Puis tu remets une dose de café, ok? Tiens, ton petit déj est servi. Merci chérie. Si t'avais bouffé autant de drogue que j'en ai incurgité dans ma vie, tu pourrais avaler n'importe quoi. Tu serais plantée. C'est ma nièce, Lise. Un joli petit lot, hein? Lise, dis bonjour au jeune homme. Ben, moi c'est Jonathan. Je sais. Et tu vis dans le cimetière? C'est trop cool. Ouais, c'est top délire. Je parie qu'avec ce qui est tombé, votre fosse sceptique refoule, non? Cette ville a tout d'une vraie fosse à merde. J'espère qu'il y a plus intéressant comme sujet de conversation que ma fosse sceptique. Est-ce que tu crois que tu... Hey, Grady! Oh, que je suis heureuse.
Donc c'est Jonathan. Ouais, je confirme. Ready? Comme d'hab. Allons-y. Allez l'artiste, à toi de jouer. En piste. Tu veux y retourner? J'en ai trop marre de celui-là, il me gonfle. Hé, hey, la vie est belle. T'as vu Bobby? Excuse-moi. T'as vu le croque-mort connaît pas Bobby? Bobby Fowler. Ah, celui-là de Bobby. Il y a longtemps que tu sors avec lui? Regardez-moi ces deux connards là, en train de se foutre une branlée dans mon établissement. Fiche-moi le camp. Elle est où, ce dehors? C'est lui qui l'a cherché. Dégage. Ok, prends ton blouson, on se casse. Pédale. Je suis désolé, je prends mes affaires. Non, bouge pas de là, bouge pas. Écoute, cet abruti de Cal n'arrêtera ses conneries qu'une fois Red mort et enterré. Ça va aller? T'occupe, laisse tomber. C'est de poufias, c'est un trou du cul. C'est quoi ce langage? Excuse-moi, Rita. Et alors, ce Bobby Fowler, c'est qui? Jamie? Qu'est-ce que tu fais? Si jamais ils ont faim. Oh, d'accord. C'est toi qui as ouvert? Non. T'en veux un? Je le mangerai plus tard, mais de l'autre côté. Dis donc, tu ferais bien de rentrer et de changer de pantalon. Tu t'es couverte de boue. J'y vais. Je te rejoins. Ce qui est très passé ne repose pas à tout jamais. Dans cette étrange éternité, même la mort peut s'éteindre. Oh,
suis Glen Owen, le shérif. Bienvenue dans notre petite commune. Oh, c'est gentil. Je vous en prie, appelez-moi Leslie. Je peux rentrer, maman? Vas-y. Bon, Leslie, je tenais absolument à vous accueillir de manière formelle et vous dire que les politiques et les commerçants sont comme une famille. On se soutient mutuellement. C'est vrai qu'Eliot Cook voulait se mettre Elliot en contact Cook avec le Cook est la plaie de Santa Lorana. Le jour de son élection au Conseil restera la pire journée de notre histoire. Bien, désolé. Vous disiez que... Voilà. Leslie, j'espère que vous comprenez que cet endroit attire les jeunes comme un véritable aimant. Ils s'amusent, ils se mettent au défi, mais c'est toujours ici que ça se termine. Les garçons par ici sont persuadés qu'il n'y a rien de mieux quand il s'agit d'impressionner une fille que de venir la nuit traîner dans le cimetière. Oui, je vois. Ok, c'est noté, je serai vigilante, promis. En nous unissant, nous mettrons fin au bébé cimetière. Excusez-moi? Les garçons ont pris l'habitude d'amener leurs copines ici, étant donné que rien ne favorise davantage les rapprochements qu'une bonne frousse, alors ils viennent leur faire peur et ensuite ils en profitent. Oh, d'accord. D'où bébé cimetière? Voilà. Voici ma carte. S'il y a quoi que ce soit, vous passez un coup de fil. Je le ferai. Bon, alors... Les Fowler ont toujours été à Santa Lorena. Ça a été une des premières familles à s'installer ici à l'époque où il n'y avait encore que des ranchs. Et du bétail, à perte de vue. Laisse-moi raconter. Ok. Donc, Zebedial Fowler est venu ici élever du bétail. Ce que tout le monde faisait puisqu'à l'époque ça payait. Manque de peau pour lui. Rien ne poussait sur ces terres. Il y avait un truc pas net au niveau du sol, comme un maléfice. Rita, je leur explique pour les Fowlers. Lizzie, j'apporte des brownies pour toi et tes invités. Ah ouais, je dis pas non. Tu vois, ma grande, tiens. Tu peux finir mon histoire? Je t'en prie. Bobby Fowler est toujours vivant. Où j'en étais? Comme un maléfice dans le sol. Voilà. Ces bêtes se sont mises à mourir sans qu'on sache de quoi. Et toutes elles se décomposaient. Zeb a survécu en travaillant comme croque-mort à la ville. C'est lui le cimetière, il l'a construit. Et les Fowlers sont embaumeurs de père en fils depuis cette histoire. Et Bobby? Ah, exact. La famille a fait marcher l'affaire des pompes funèbres jusqu'en 62. Emeline et Franklin Fowler en ont hérité. Ce sont les derniers Fowlers avec, si t'as bien suivi. Bobby, bingo. Le hic, c'est que Bobby grandira pas et n'aura jamais d'enfant. Parce qu'il est horriblement difforme. Il a un affreux bec de lièvre, il est muet et ses mains sont toutes tordues. Ses parents le maltraitaient, ils lui faisaient subir des sévices, chaînes, allumettes et même avec leurs outils. En ville, tout le monde le sait, mais il y a aucun moyen de le prouver. Et le jour où Bobby fête ses 8 ans, pouf, il disparaît dans la nature. Ses parents l'ont tué? Ça, c'est ce que tout le monde a cru. Il s'écoule quoi? Une dizaine d'années? Quand Emeline et Franklin Fowler sont retrouvés morts, le crâne explosé. Depuis ce temps-là, les gens sont persuadés que Bobby est toujours vivant. Ils l'ont enfermé dans une tombe, mais il est resté en vie et la nuit tombée, il erre. Il est habitué à vivre dans un tombeau. Sa peau est livide. Et il recouvre son visage d'un linceul maculé du sang des autres. Du temps! Fermez vos gueules! Quoi? Il crèche juste devant, là.
Il va t'attraper, et toi là. Elle est où? Elle est où la bombe? Tu sais qu'elle est? Je veux pas. Je veux pas prosterner des tombes. Prosterner? On dit profaner, neuneu. Et lui cause pas comme ça. Je crois que là t'es vraiment à point. Approche. On écouterait, hein. Non, mais attends, qu'est-ce que... Molo, Cal, arrête. Oh, Cal. Stop. Stop. T'es Red Death. On se trouve une piole, tu veux? Tiens ça, c'est ton idée. Alors maintenant, tu la gardes. Le rose est chéri, il faut que je pisse. Ouais. Hé, hey, prends ça. Ouais, merci. Allez, on attaque. Vas-y, barbouille. Oh, mais Cal, Cal... Qu'est-ce que tu prends, là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh, et ça va. Hé, hey, pétasse, tu me lâches, hein? Pas lui, c'est un ange. Tu vas voir, regarde. Ok. La pêche ce soir, Cheryl? Pardon, Madame Warner. Tu sais que je me suis pris une trempe à cause du zéro que tu m'as mis. Tu sais que ta fille, elle devient bonne, dis. Comment ça lui fait? Au moins 15 ans? Allez, bonne nuit. Morue. Tu dis qu'il faut pas plus de 2 minutes. Ouais, bah alors t'as qu'à venir jouer aussi. À nous trois, ça fera 4 minutes. Oh, il sait compter. C'est qu'il est intelligent. Oh, putain, t'as froid.
C'est chouette à l'intérieur? Ouais, super, super. Je me suis installée dans l'ancienne chambre de Bobby. Et il y a un tas de barreaux à toutes les fenêtres. Ça donne un côté sympa. Sans déconner. Hey, Bobby est toujours en vie. Ouais, il se plante dans un tombeau. C'est des histoires, tout ça. Bah non. Je l'aperçois parfois penché sur les poubelles en train de farfouiller. Je crois que ce qu'il préfère, c'est les vieux restes de crème fouettée. Voyez-vous ça? Bah si, je te le dis. Tu sais, la maison des folleurs a toujours été un petit peu bizarre. Je crois que personne n'y vit plus, ça doit faire... Bordel. C'est dingue, ça, je te jure. Putain de mémoire, j'ai un blanc, y a plus rien qui me revient. Entre Kennedy et Reagan, je me souviens de que dalle. Ça, c'est la CIA qui bourre tout le monde, le LSD. Enfin, toi, tu me comprends, hein, faut pas te faire un dessin. Et alors, la salle d'embaumement, c'est comment? Oh, y a toutes sortes de... d'instruments... bizarres. Y a un truc, tu sais, pour les os cassés, ça rassemble les morceaux, et juste au centre de la pièce, t'as une évacuation pour dégager le sang, les viscères, tout ça, quoi. Je voudrais y aller. Ça devrait pouvoir se faire. Cool. Cette nana, mais elle a un grain. Non, au contraire, elle est extra, cette fille. Tu parles, elle est totalement tarée, ouais. Hey, c'est ma copine, fais gaffe. Elle est ch'tarbée, je te dis. Tu te rappelles pas, il y a 2 ans? Ah, voilà. Le coup de la robe qui tombe, et alors elle a pas fait exprès, tu le sais. En plus, c'était pas il y a 2 ans, c'était quand déjà? C'était l'année dernière. On n'y était pas l'année dernière. On était à Santa Cruz pour le festival du cinéma. Ça, c'était il y a 2 ans. Non, t'as Alzheimer. Non, c'est toi, petit gars. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ça fait combien de temps que vous sortez ensemble tous les deux? Quoi? Ça le ferait pas vraiment. J'aime les garçons. Quoi? T'es sérieux? Oh, c'est génial. C'est génial. Pourquoi tu le demandes, hein? Oh, non, pour rien. Enfin, comme ça, je veux dire... En tout cas, elle embrasse vachement bien. On l'a fait en 5e. Arrête de tout raconter! On démarre, ça y est. J'en ai 2 en bas. Des morts! Lise, Grady, je vous présente ma mère, c'est la joyeuse embaumeuse. Vous pouvez nous montrer? C'est-à-dire que... Allez, c'est pas si c'est... juste comme ça, vite fait, pour voir! Même pas sûr que ce soit très légal. Oups, non, pas celui-là. Tu es sûre de vouloir regarder? Certaine! Soit. Oh merde. C'est Monsieur Barstow. C'est mon prof de piano. C'est bon, c'est rien, c'est rien. On s'en va. Mais je suis sincèrement désolée. J'ai une leçon demain. Tu... Vraiment désolée. Non, s'il te plaît! C'est mon premier embaumement, je suis tellement contente. C'est logique, seulement si tu pouvais juste éviter de le crier sur tous les toits, ça m'arrangerait. Je suis vraiment navrée. Merde! Est-ce que je suis censée savoir que c'est son prof de piano? Désolée, je pensais pas que ma mère aurait... Enfin, bref. Pour ton prof, là aussi, je suis désolée. C'était vraiment lui. Il est mort. Et si on se remettait de nos émotions avec des plantes, t'es OK sur le principe? Ouais. Ouais. Fais voir ça. C'est par l'artère fémorale qu'on introduit. OK. Et c'est par la jugulaire qu'on ressort. Alors. Voyons. Rigidité cadavérique. Alors, comment on fait? Positionner la tête latéralement. Ah, mon dieu.
Ça c'est fait. Il n'y a pas une goutte. Ça pompe que dalle. Ok. Si le liquide reste statique, augmentez la pression. Voilà. Ok. Oh, quelle conne! Chut, il fallait que tu te plantes. Oh merde! Bonjour. Oh, oups. Pardon. Leslie, je ne m'attarderai pas. J'ai besoin de parler à votre fils. Rien de grave. Oh, j'ai juste deux ou trois questions à lui poser. Oh, ok, je vous l'appelle. Jonathan! Tu descends, s'il te plaît. T'y es? Ouais. Très joli, ce petit parterre. Vous trouvez? Oui, c'est... Ça ajoute un peu de gaieté, mine de rien. Tout à fait. C'est de la fétuque ou du pâturin? Ok, tourne. C'est bon, vas-y. Chute. Ok, vas-y, fonce, fonce. Oh, la vache. Oh, Jonathan. Voici le shérif Howell. Il voudrait te poser quelques questions. As-tu vu récemment Robert Calvin, celui qu'on appelle plus communément Cal? Enfin, comment dire, si je l'ai vu, je l'ai déjà vu, oui. Hier soir, par exemple? Non. Tu en es sûr, vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Votre fils a eu une altercation avec Monsieur Calvin, or ce dernier a disparu avec deux amis à lui. Quoi? Maman, attends, c'était rien. Rien? Ça, c'est ce que tu crois. Seulement, chez nous, on prend la violence très au sérieux. Alors, as-tu vu Monsieur Calvin hier soir? Non. Ok. Écoutez, je vais tirer ça au clair avec mon fils, je vous le promets. Mais maintenant, s'il lui jure qu'il n'a vu personne, moi, je le crois. Si un détail te revient, appelle-moi. Leslie, vous permettez que je jette un œil dans les parages, peut-être même dans le cimetière? Où bon vous semble. Ah, merci. Alors ça... Une altercation? Pourquoi? C'est lui qui a commencé. C'est pas une raison pour aussitôt t'abaisser et en faire autant. Et comment je peux devenir un homme si je suis pas foutue de me défendre? On devient pas un homme en boxant les autres, mais en apprenant à bien réagir. Je vois pas l'intérêt d'épiloguer là-dessus, t'entraves que dalle. Tu es de corvée, jusqu'à ce soir.
D'abord le vandalisme et les bébés ensuite. Oh, sacré nom d'un chien. Il y en a partout dans la maison. T'as appelé le type pour la fausse sép... Il est dans mon placard! Il est dans Quoi? Mon placard! Chérie, calme-toi, allons! Il est dans le placard! Ce qui fait peur! Comment? Le bricoleur! Il est dans mon placard! Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Il est dans mon placard, je l'ai vu! Il est attends, 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 calme-toi! Calme-toi, je suis là! Calme-toi! Allons, chérie, viens là. Viens, approche mon cœur. Ne crains rien, viens là. Il n'y a personne là-dedans. D'accord? Il a dit qu'il voyait dans le noir. Et qu'il me trouvera quand il voudra. Non, voyons, mon cœur, mais non. Et puis Jonathan et moi, on ne laissera jamais quelqu'un faire du mal à notre petit amour. Hmm? Pas vrai? Si. Jamie, ça fait partie d'un de tes déguisements, ce truc-là? Non. C'est lui qui le portait tout à l'heure, sur sa tête. Allez, c'est rien. Alors, est-ce que ta mère a reniflé le pétard? On craignait de t'avoir mis un peu dans la merde hier. Bah, si elle l'a senti, elle a laissé courir, en tout cas. Je pourrais peut-être la revoir, un de ces quatre. Si bien sûr t'as toujours envie qu'on se voit à l'extérieur. Ouais, ce serait sympa. Tu passes, je veux dire, t'es la bienvenue quand t'en as envie. Tu passes quand tu veux. C'est à ça que tu pensais, c'est ça? Voilà. Voilà. Tant que je tombe pas sur un cadavre, ça va. Pas de cadavre, je te le promets. Ok. Et ton père, tu crois que je pourrais le voir lui aussi? Il est en fait, il est plus vraiment avec nous, il est mort. Pardon, je suis désolée. Mais c'est... Jonathan? Ouais? Je voulais seulement te dire... Quoi? Ça. À quelle heure on finit ici déjà? Vous étiez passés où tous les trois? Tu me donnes comme d'hab. Chouette ta robe. Très sexe.
auriez disparu. Ta gueule, branleur. 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 Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Appelez le docteur, je sais pas moi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? On se calme. Oh, nom de Dieu de merde. Regarde ce qu'elle semble. Mais c'est dégueulasse, il lui a fait avaler quoi, hein? Mais quelle horreur. Allez chercher la serpillière, appelez les urgences, faites quelque chose. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a avalé, hein? Pour vomir. L'enfoiré. Il a germé sur ta tante. Tout droit dans la figure, en pleine bouche. Et là, elle me fait un retour de trip d'acide depuis une heure. Oh, et eux, ils étaient sous quoi? Ça. Lise! J'arrive, Rita! Enfin, voilà, quoi. Et après avoir foutu le bordel, ils se sont barrés comme ils étaient venus sans rien dire, genre, il s'est rien passé. C'est vrai? Ouais. Fais pas, je vais te faire belle comme tout. Pour la dernière fois, ta famille va venir t'embrasser. Oui, un instant. Ok. Non, je me dépêche. Faut que je m'occupe de lui aussi. Oups. Du macabé. Oh, je vous raconte pas sur la route hier, un vrai carnage. Amenez tout par ici et on fera le tri. Un Kingston qui a embrassé une jolie Datsun. Je parie que vous avez entendu le crash. J'ai rien entendu, non. Mais Elliot, j'ai plus de place, j'affiche complet. C'est tant mieux, c'est le but du jeu. Vous savez, le compte épais, $200 par cadavre et je vous en ai obtenu 400. Alors ma question, ouais, où est-ce que je vous les mets, ces deux-là? Ok, ok. Par ici, suivez-moi. Voilà, par ici, amenez-les par ici. Excellente idée, Leslie. Vous avez autant de créativité que de bon sens dans la gestion de votre petit commerce. Et en plus, vous êtes très séduisante, alors ça ira comme ça, on vous les laisse là. Aucun problème, mon fils m'aidera à les déplacer pour la suite. Bien, oui. En fait, je pourrais peut-être vous les vider, vos cercueils, sans que ça vous coûte plus de $100 par tête. Ah oui? Ouais. Super. Alors, comptez sur moi. Oh, je suis très content de bosser avec vous, Leslie. Vous êtes très belle, vous. Oh, Elliot. Bon, eh bien, à la revoyure. Oui, à l'occasion. C'est ça. Allez, fichez-moi le camp, qu'est-ce que vous attendez? Du balai! Ok. Allez. Au revoir. C'est toujours un bonheur de vous voir, Leslie. Pas mal. Pas terrible. Jamie, qu'est-ce que tu fais? Je danse. Je fais pousser l'herbe. Tu l'as fait pousser en dansant? Je suis un petit écureuil. Quoi? D'où ça vient cette nouveauté-là?
C'est maman, elle m'a appelée comme ça. Et elle a raison, en plus, un écureuil, ça grimpe aux arbres. Jonathan ? Oh, tu es avec tes amis. Vous restez dîner avec nous ? Ouais. Parfait. Venez avant que ça brûle. Asseyez-vous. Allez-y, asseyez-vous, allez. Toi ici, toi là, la demoiselle et Jonathan. Oh, c'est presque prêt. Bon, on va commencer par la soupe. T'as prévu de la soupe ? Non, ça va, je vais prendre... Toi aussi. Merci. Tu bois du lait. Bien. Maintenant, donnons-nous la main et rendons grâce à Dieu. Élisabeth, tu commences. Je remercie Dieu de m'avoir donné... De nouveaux amis. Parfois, la vie aussi, ça... Vous ne parlez que quand c'est votre tour. Suivant. Rends grâce. J'aimerais que papa soit là. Oh. Mon petit écureuil. J'en suis sûre. Il me manque à moi aussi. C'est vrai que ces derniers jours ont été extra. Manger. Cette soupe est un vrai régal. Forcément par revenir. Jamie! Oh. Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Merde! Toi et Jamie, on vous garde. Si tu retournes là-bas, il tuera! On va aller... Poussez-vous de là, ici. Oh non.
qui font leur vie ici. Regardez. Non, Jimmy, touche pas. Pousse, 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 pousse.
Viens là une seconde. Tu crois que tu peux bouger ça? Vas-y, pousse. Voilà, et écoute-moi. Écoute, voilà ce que je veux que tu fasses. Tu vas pousser la malle devant la porte et quand je serai sortie, t'empileras les valises dessus. T'as compris? Tu feras comment pour rentrer? C'est facile, je frapperai à la porte, t'enlèveras d'abord les valises, ensuite t'auras qu'à pousser la malle et j'entrerai. Je veux qu'on reste tous les deux. T'es en sécurité ici, ma puce, regarde. T'as vu les fenêtres? Personne peut entrer. Oui, mais si toi tu reviens et que je te laisse entrer et que t'es comme maman... Non, ça arrivera pas, non, je te le promets. Tu sais ce que papa m'a dit une fois? Il m'a demandé de toujours veiller sur toi. Parce que tu sais, les parents, ça vieillit, ça tombe malade, les amis vont et viennent. Toi et moi, on sera toujours là pour veiller l'un sur l'autre, ok? D'accord? Tu me crois? Tu fais quoi une fois que je suis sortie? Je colle la malle contre la porte, je mets les valises et j'ouvrirai quand toi tu le diras. Voilà. Allez. Voilà, c'est bien. Mets le verrou, vas-y. C'est bien, Jenny. Tu bouges pas, je reviens vite, d'accord? Tu restes là jusqu'à ce que je revienne te chercher. Bonheur! Je vis l'enfer et il y a un troupeau de nounous qui volent à mon secours, Vénard! Ça fait ça aussi. Jimmy, venez. Jimmy, c'est moi. Mais où elle est? Jimmy, bordel de merde.
La main et rendons grâce à Dieu. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal, je vous en supplie. Fais-le. Non. Oh, Jonathan. Il la touche pas. Pour dire des sales bâtards, mon gars. Chez nous, on prend la violence très au sérieux. Ta gueule, branleur. Chez nous, on prend la violence très au sérieux. Ta gueule, branleur. On veut plus voir de bébé cimetière. Thank you.
sort, allez.
from the pain that will consume you. Reversing the poison. Death in all its fury, running wild.